Dans Sporting News aujourd'hui, Pato tenté par la Premier League, Baron Davis, monsieur sécurité routière de New York, une photo de Stephanie Rice fait polémique, Lucas Podolski dans un clip de rock et la guerre des mots entre Rooney et Fabio Capello. Pato tenté par la Premier League. Actuellement à Londres, où il prépare les Jeux Olympiques avec le Brésil, le milieu de terrain du Milan AC a déclaré au tabloïd The Sun qu'il adorait le football anglais. J'ai beaucoup d'amis qui jouent à Chelsea, Liverpool et Manchester United. En ce moment, ça me dirait bien de jouer en Angleterre. Convoité par le PSG, Pato préférerait-il se laisser tenter par une expérience en Premier League? Sa priorité reste de finir son contrat avec Milan. Je leur suis redevable et mon objectif est de continuer ce que je fais, donner de la joie aux fans de Milan et aller jusqu'au terme de mon contrat en 2014. Après, qui sait, a-t-il déclaré au Sun. Souvent blessé, le Brésilien n'a inscrit cette saison qu'un seul but en Serie A, n'étant titulaire qu'à 7 reprises. Pas de quoi pousser les clubs anglais à le recruter. Baron Davis se mobilise pour une campagne de sécurité routière à New York. Actuellement en rééducation suite à sa grave blessure lors des playoffs de NBA, le joueur des Knicks a du temps à consacrer à de bonnes actions. Dans une pub pour le département des transports new-yorkais, Baron Davis fait désormais régner l'ordre dans les rues de la Grosse Pomme. Son message est simple. Dans une ville aussi agitée que New York, il faut garder la tête levée pour voir venir les dangers potentiels. Hey New York, je suis Baron Davis des New York Knicks. Ma tête s'est levée. Et la vôtre? Hey, lève la tête. Allez mec, fais attention. Merci, Baron Davis. Madame Khedira priait de se rhabiller. Lena Gerke, la compagne du milieu de terrain de la Mannschaft, a créé la polémique pendant l'Euro 2012. Ses tenues ont été jugées trop sexy par certaines personnes. La fédération allemande aurait même reçu des plaintes. Fini les mini-shorts pour Lena. Selon le magazine People allemand Bunte, la Fédé lui aurait demandé de ne plus attirer l'attention sur elle pendant les matchs de son équipe. Le couple Khedira avait déjà défrayé la chronique en posant à moitié nu en couverture du magazine GQ. Pour cet euro en Pologne et en Ukraine, les femmes et petites amies des joueurs ont pourtant moins fait parler d'elles qu'il y a 4 ans en Suisse ou lors du Mondial 2006 en Allemagne. À l'époque, le show était autant dans les tribunes que sur la pelouse. Stephanie Rice fait déjà des vagues. Alors que les Jeux Olympiques n'ont pas encore commencé, la nageuse australienne fait déjà parler d'elle hors de l'eau. La triple médaillée d'or à Pékin a déclenché une vive polémique en Australie après avoir posté cette photo sur les réseaux sociaux. On la découvre en bikini, un bikini designé par la styliste Ellie Gonsalves, qu'elle a reçu en cadeau pour ses 24 ans et qu'elle voulait partager avec ses fans. Rien de bien choquant, on est habitué à la voir en maillot de bain. Sauf que voilà, en Australie, c'est passé pour de l'exhibitionnisme. Bref, c'est la douche froide pour Stéphanie. On attend désormais sa réponse dans le bassin. Chacun son job. C'est le message plein d'humour qu'a fait passer récemment l'acteur Gary Oldman à tous les basketteurs qui jouent les vedettes de ces vedettes de cinéma. Aujourd'hui, on a envie de passer le même message à Lucas Podolski. Le joueur de la Mannschaft se prend pour un chanteur dans le dernier clip du groupe de rock allemand Brings. Le tube s'appelle Alléluia, mais nous on prie plutôt pour qu'il ne pleuve pas quand Lucas Podolski chante. Écoutez plutôt. Das jeder kennt und das jeder singt, auch wenn du mit Fußball nix am Hut hast. Il y a de l'eau dans le gaz entre Fabio Capello et Wayne Rooney. Pour expliquer les performances modestes de l'attaquant anglais durant l'Euro 2012, Capello a déclaré « Je pense que Rooney ne comprend que l'écossais. C'est parce qu'il ne joue bien qu'avec Manchester, où Sir Alex Ferguson ne parle qu'écossais. » Ces déclarations faisaient suite à une pique de Rooney à son ancien sélectionneur qui avait expliqué qu'avec son nouveau sélectionneur, Roy Hodgson, il comprenait toutes les consignes et qu'il n'y avait pas de problème de traduction. Une façon de pointer du doigt l'anglais approximatif de son ancien coach italien. Roy Hodgson s'est lui aussi mêlé de cette histoire en déclarant qu'il s'agissait d'un coup bas de Capello et que l'attitude de Rooney pendant la compétition avait été exceptionnelle. Le joueur de Manchester United peut au moins compter sur le soutien de son actuel sélectionneur.